Bon, bonjour YouTube. Bonsoir YouTube. Oh, pardon. Ouais, voilà, ça c'est un totona. Bon, déjà, ascenseur spatial. On n'en parle plus. Oui. Je serre tout ça. Voilà, on voit en cours. Voilà, fin de l'épisode, c'était bien. Salut au revoir YouTube, des bisous, à la prochaine. Toujours allez, prochaine. Spatial. Oui. En vrai, je comprends pas comment ça marche. Alors déjà, il faut savoir que je t'ai fait un petit stock éventuellement des autres sources. Hein. Donc on a un peu de plaquage intelligent par ici, on a un peu de trucs par là. Enfin, j'ai fait un peu de stockage. Attends, j'ai juste envie de regarder d'abord la... Alors, et la recherche. Moi, j'ai débloqué des trucs en recherche, il y a les hypertubes qui sont proches en train. Je le fais ou pas? On vient de débloquer la tyrolienne, monsieur. Ok, mais ce que je voulais demander, c'est est-ce que je lance les hypertubes ou pas? Puisque là, on les a, ils sont prêts. Genre, le chargement des hypertubes est plein. Est-ce que je lance la petite navette? Ah oui, oui, vas-y, carrément, ouais. Balance. Envoie ma poule. Mais de toute façon, je crois que. Je crois que tout est prêt, mec. Hein. Je crois que j'ai tout préparé. Je te dis pas de bêtises, non? Ah non, c'est le nouveau jalon, donc rien n'est prêt. Nouveau jalon, il y a du boulot. Est-ce que ça t'intéresse le transport de fluide alternatif ou pas? Transport de fluide alternatif. Non. Non. La fabrication industrielle peut-être? Ou le raffinage du pétrole, qui peut être une solution. Peut-être. On peut lancer le raffinage du pétrole, c'est accessible surtout. Ça se fait vite quoi, ça peut se faire vite. Voilà, c'est ce qui est demandé. Ok. Ok. Le plaquage en cuivre à la con on a. Hop là, je vais nous sortir ça, bouge pas. Voilà. Alimentation. 3, 4, 5. Et hop, à tout prix. Yo. Un onduleur pour stocker de l'énergie. Ok. L'énergie stockée. Je peux pas les mettre parce qu'on attend que le jalon y revienne. Je vais péter un plomb. Choisis-moi le jalon. Ah, je peux rien mettre. Bon, bah d'accord. Pour l'instant, on peut rien mettre. On peut y remettre. Ouais, ça a peut-être été changé ça, parce qu'avant on pouvait les bourrer et relancer direct. Alors, à savoir que je vois qu'effectivement il y a le poteau électrique MK2 mes fesses sur la commode, voilà. Il y a le poteau électrique MK3. Mais en plus, normalement on est en poteau électrique MK2, mais je veux dire en termes de câble là, je crois qu'il n'y a pas de diff. Alors attends, je vais aller vérifier les. Non, il n'y a pas de diff. Attends, combien produit une station électrique? Est-ce qu'ils te le disent? Statistique a produit 75. On a un nouveau truc qui est l'interrupteur. Au passage. Où ça? Dans la recherche. On a l'interrupteur qui est disponible. Comme d'ailleurs la tyrolienne. Hein. La tyrolienne c'était nouveau. Je viens de vous faire les tyroliennes. Ah ouais? Ouais. T'as pas vu, j'ai débloqué la tyrolienne. Où ça? Je l'ai dit. Si, j'ai vu que t'as débloqué la tyrolienne. Voilà. Caterium. L'interrupteur. Ok, bon, on s'en va les couilles en fait. Ça sert à rien ce truc là. Ça doit être cool pour couper une production et la relancer, mais... Ouais, vrai, vu comment ils nous ont mis dans la merde énergétiquement parlant, bon... ça peut être intéressant... C'est quoi ça? Cartouche de pistolet couleur. Ok, d'accord, pardon. Ouais, j'ai fait un peu de réserve, ils ont changé le skin de machin... Fais de la réserve. Je suis un mec de la réserve. C'est là-dedans qu'on fabrique ta tyrolienne à la noix. Chaleur, inhalateur médical, d'accord. Ouais, t'as fait un peu beaucoup de réserve. Ouais, j'ai essayé. Enfin, je fabriquais pas des moteurs quelque part. Est-ce qu'on mettrait pas en place un système de... Comment? J'ai jamais fabriqué de moteur quelque part. Ma question. Des moteurs? Je ma sais question pas à 2 millions. Les rotors Protor Saturn, non. Ah, ils ont pas mis des nouvelles rampes triangulaires et tout? Si, ils ont mis des nouveaux trucs dans le magasin, je crois que j'ai déjà commencé à acheter comme un sourd. Des bases de piliers, des sections de piliers, en vrai y a des trucs cool hein. Je vois. On peut faire un skatepark maintenant. C'est dans l'organisation, il y a de nouveaux trucs. Il y a des panneaux de contrôle de lumière. Ils m'ont entendu, mec. Ils ont entendu mes prières. C'est ça que je voulais te dire. Ils ont ajouté des lampadaires et tout. Ah ouais? Ouais. Oh ouais, lampadaires, des éclairages, des trucs, des machins. Dans l'organisation, on voit, on peut les acheter. Pour l'instant, je n'ai rien acheté. Ouais. On pourra enfin avoir de l'éclairage avec sur site. Des projecteurs, des éclairages et des lampadaires. Ouais, en vrai, c'est pas le temps qu'ils ajoutent ça, quoi. Alors on a 35 moteurs en réserve, déjà je les récupère.
Et on fabrique un moteur comment, hein? Si on a le droit de fabriquer un moteur. Ouais, on a le droit de fabriquer un moteur avec des rotors, rotors, stator et lecteur. Ok. Je vais fabriquer ça, j'arrive. Mais attends, on est d'accord qu'on a débloqué la tyrolienne. Oui, on vient de débloquer la tyrolienne. Est-ce que, à la limite, pendant que tu réfléchis, tu pourrais ramener quelques plaques en acier en allant là où il y a de l'acier, là puisqu'il vous en faut quelques-unes. Il te faut combien? Il m'en faut pas grand-chose, en ramenant une centaine dans le doute. Bah après tu vois les affichages qu'il y a là-haut, donc genre 500 tubes et 100... 100 machin. C'est à la B12 ça, on est d'accord. Ouais. C'est à la B2 s'expandre. Ça, il faut des rotors. Eh, la forêt elle a repoussé mec. Ça c'est bon ça, ça c'est ce que j'aime dans les mises à jour. C'est que la forêt réapparaît. J'aime beaucoup. Ok, donc en vrai, faire des moteurs. La forêt devrait pas réapparaître, mais... Ouais, devrait repousser. La forêt devrait pas réapparaître, mais si tu la détruis pas totalement, elle devrait revenir. Ouais. Même quand tu la détruis totalement, je pense que quand c'est à partir d'un cours d'eau, ça devrait repousser, même petite fleur par petite fleur, tu vois. Arbrisseau par arbrisseau, mais bon. Ah, ça a repoussé aussi dans la B2, mec. Ah, au beau milieu de la B2. Ah ouais. L'occasion de mettre un coup de disqueuse. Ah oui, tiens d'ailleurs, si je vidais un peu mon inventaire, parce que du coup j'avais déjà fait un peu de bois à la précédente. La B2 ça faisait des cadres modulaires, mais ça faisait pas d'acier. Hein. Mais non, c'est la B3, c'est là où on fait de l'acier, mec. Ah merde. On fait de l'acier, B3, excuse-moi. Là où il y a du bon char, B2, en fait. Tu oui. Ouais, j'arrive. Mais faudrait mettre en place une tyrolienne, je sais pas comment ça marche, ça peut être cool. Contrôleur d'IA. Je peux fabriquer des contrôleurs d'IA. J'en ai. Ah oui, tu pourras me ramener aussi si tu passes à côté du Caterium un petit lot de bobines là. Parce que, à première vue, je vais en manger un paquet pour faire des contrôleurs d'IA. J'en ai juste pas assez. Bon, faut des bobines plus. Ouais, de la bobine de fil actif. Ouais. Non, de fil actif. De Caterium, pardon. Ouais, exactement. Ouais. Ok, non, mais je vois ce que tu veux dire. Si t'es à la B2, normalement tu vas passer, c'est sur ton chemin. De toute façon, t'as une balise pour t'indiquer. Le point. Ouais. Évidemment, on a un éclair qui a fait un super taf. Il te faut combien? Ramène-moi deux bobines de 4. Ça sera très bien, je pense. Attends, quoi qu'attends. Il en faut combien pour ce merdier là? Tu m'en demandes combien là? Caterium. Caterium. Il m'en demande 50. J'en ai 10. Et je peux en fabriquer combien? J'ai déjà fabriqué les 10. Ah ouais, donc non, il faut que tu m'en ramènes. Ramène-en 10. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me dire qu'on a pas de 10 de 500? Ah, c'est des piles de 500. Ramène-moi 2. 2 ça suffira. 2 500? Ok, c'est ce que j'ai. Ouais. Mais en fait, on le broyait, c'était ça le truc. Comme on n'avait pas d'utilité. Ah oui, on broyait. Ouais. C'est vrai qu'on a des broyeurs partout. Du coup, en fait, on a pas beaucoup de réserves et j'ai pris quasiment tout ce qu'on avait là-bas. Ouais, bah parfait. Non mais je te préviens tout de suite d'avance, comme ça si on doit changer le truc, on broyait. Putain, c'est vrai qu'ici c'est bétonné, c'est propre. Ah oui, hop là. J'ai largement assez de moteurs. C'était pourquoi les moteurs? Je faisais des moteurs pourquoi? Mec, je faisais des moteurs mais je sais même plus. Ah oui, pour ça, pour ce machin. Pour le raffinage du pétrole, non? Ouais, non c'est bon, j'ai trouvé l'objet. De la bobinasse, il va m'en falloir un paquet. Ouais, tu sais quoi? Prends-moi le stock. Voilà, je réfléchirai plus tard. Ah, mais attends, la tyrolienne ça fonctionne pas sur les lignes électriques normalement? La tyrolienne ça fonctionne pas sur les lignes électriques. Pas la moindre idée, mec. Possible, hein? Mais faudrait que j'en fabrique pour le savoir. Il veut que je te fabrique ça. Ouais, je vais peut-être faire ça tout à l'heure. Faut pas. Ah, maintenant il y a des poissons qui volent. Bah, il me faut juste un peu de Caterium et je te fais ta tyrolienne. Dès que t'arrives avec le KT, okay. TKT, je te fais ça. Vas-y. Je suis juste parti, du coup, il te faut quoi? Que des plaques en acier? Non, regarde en haut à droite. Il me faut 100 plaques en acier, ça c'est sûr. Tu peux en ramener un stack. Et il me faut, bah, il faut 100 béton, 100 béton Armed. Lui à mettre béton. Ah, c'est vrai, attends. Et ça sent tube base de. Et ça sent tube, en acier. Ça marche, je te remets ça.
Oh putain, mais t'as fait une montagne de conteneurs. Ouais. Oh putain, mais où est-ce que c'est rangé ce bordel? Quelque part dans la montagne de conteneurs. Ils sont vides, mais bordel! Non, tu plaisantes. Parce que s'ils sont vides, t'es bon pour prendre des lingots et les faire à la main. Attends, il te faut combien de... Attends, il faut... Mais mec! Quoi? Y'a pas de tube! Du tout! Y'a zéro tubasse. Zéro! Je arrive. Je... Une commis. J'ai... De toute façon, on a encore 26 secondes. J'ai à peine 373 de plaques d'acier. Ah ouais. Ah, j'étais peut-être un peu en production flux tendu, tu vois. Genre de choses, quoi. Tu faisais du béton armé. Oui, oui, je fais du béton, béton armé. Il en faut 100, donc ouais, j'ai 100. Je fais du béton armé, on fait de la poudre à canon. La poudre à canon, mon gars, va y avoir un stock. J'adore ça. Quand on va vouloir faire sauter boum boum. Quand on va vouloir jouer boum boum, ça va bien se passer. Est-ce qu'on fabrique des nobelisques en fait? C'est pour ça. C'est pour ça que ça consomme du tube. Ah mais non, mais là, mais gros... J'arrive. Non, mais allez, tout marchait bien avant qu'on ait une panne de courant. Puis la dernière mise à jour, j'ai connecté un truc au courant, il m'a fait, il y a tout qui saute. Ah super. Et en fait, ce qui me dégoûte, c'est que les c'est censé aller là-bas. Les trucs de bon char, là, quand ils tournent, si je les raccorde au reste du réseau, ils me disent que je produis rien. Ça me fait péter un plomb. Ah ouais? Ouais. Bah là, tente, tu regardes le poteau là sur lequel ils sont connectés, là, les deux poteaux. Tu peux même raccorder les deux poteaux entre eux si tu veux voir. Vas-y, attends. Tu raccordes les deux poteaux entre eux, comme ça t'auras une seule prod, tu verras bien. Et après, t'essaies de le raccorder au reste. Alors. Et il va te dire que ça produit zéro. Ça va tout faire crash. Il est branché à ce poteau là. On est d'accord? Bah, je sais pas, mais pour l'instant, je suis pas encore là. J'arrive bientôt. Je suis au dernier SK, j'arrive. En fait, t'as deux poteaux. Ok, toi, poteau ici. Alors, tu me dis que ta consommation actuelle est de 273. Ok. Alors, sa capacité est de 330. Je vais te les connecter entre eux. Bouge pas, je te les connecte entre eux. Attends. Voilà, ils sont connectés entre eux, monsieur. Qu'est-ce que... Donc là, t'as toute la chaîne de prod qui est connectée entre elles. Donc actuellement, nous avons une capacité de 660, nous produisons du 600, et notre consommation est de 86,9. D'accord? Non, c'est pas ce que je vois sur mon poteau. Ah? T'es sur quel poteau? Moi, c'est ce que je vois. Là, moi, ce que je vois, on consomme par pic, mais au pic le plus élevé, parce que c'est le plus élevé qui m'intéresse, on consomme 173, on est d'accord? 213,3. 173 pour moi, au pic le plus élevé de ce qu'on consomme. Ah ouais? Notre capacité est de 660. Et on produit 600. 600. Et notre consommation, et la consommation maximale est de 213. 213, pardon. Voilà. Ah oui, donc okay. La consommation là, max, donc c'était pas notre consommation actuelle. Oui, d'accord. Ok. Non, mais ok. Non, ok. Parce que t'as inversé deux trucs. Hein. T'as dit de la merde. Alors, je t'aime. Ah merde. Oh, pardon. Oui, t'as dit de la bonne grosse merde. Donc, par contre, ce qui m'étonne, c'est que notre capacité max est de 660. Je me demande ce qui la limite. Qu'est-ce qui limite? Et là, en fait, voilà, je te fais le test. Mets-toi sur le portal. Tu vas voir. Je vais te brancher. Ouais. T'es sur le portal? Vas-y, je te branche au réseau. Voilà. Ça, donc, je te rallume le réseau. Bouge pas. Je le relance une deuxième fois. Et il y a écrit qu'on produit rien. On produit R. Cassé. Voilà. L'un de vos réseaux électriques s'est arrêté. Donc je sais pas ce qui fait tout merder. Est-ce qu'on a... tout est branché. Et on est d'accord. Ah ouais. Ou alors est-ce que parce que maintenant on consomme beaucoup plus qu'avant. Et ouais, là tout est concentré sur le poteau où je t'ai dit de venir regarder. Tout est branché sur celui-là. Actuellement. Mais toute notre production est dessus. Ouais, mais est-ce que... Non, c'est sur deux poteaux différents. Non, mais ça ne change rien, c'est parce qu'on n'a pas assez de support câblage, mais je veux dire, les deux poteaux sont branchés. Enfin, le poteau que tu es en train de regarder, il est branché sur l'autre, donc. Les deux poteaux sont branchés ensemble. Est-ce qu'on n'essaierait pas.
de faire une alternative et de faire, au lieu d'avoir que deux poteaux, de faire quatre poteaux qui vont sur deux puis sur un. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que je vois pas de limite à ces poteaux. Tu vois, sur le poteau, il n'y a pas écrit un temps. Attends, il y a écrit des informations débilus en bas. Power information. Ouais, mais c'est du vent. Non, c'est pas ça, c'est du bullshit ça. Bah, je sais pas, il y a écrit 12 quoi. Attends, je vois mal, ça me pique les yeux. Laisse tomber, je vois mal. Attends. Parce que moi, si c'est que ça, je me prends la tête et là, tu vois, j'ai commencé un raccordage. Un raccordage vers le reste, il me reste plus qu'à amener du charbon sur les autres. Oui, j'attends. 3 H, 2 GI et... Non, c'est du bullshit, C'est les mêmes pour les deux. Ok. Là, viens voir, j'ai posé un MK1 et un MK2 là. D'accord, donc c'est de la merde dans les deux cas. Ok, c'est ça marche. C'est du bullshit. Ok. Ouais. C'est du joli. Mais est-ce que... est-ce que ça vient... Ouais, c'est juste pour faire joli. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que le problème ne viendrait pas du fait que nos stations fonctionnent et vont sur deux poteaux, sur un seul poteau. Est-ce que si on n'essaye pas de... Parce que ce poteau-là reçoit le courant de la moitié des stations directement, puis celui de toutes les autres stations. Alors, je vais faire simple. En fait, regarde, si je prends ce câblage-là, donc je viens de débrancher... un câble, je raccorde celui-ci ici. Tu tournes toi? Ouais, fonctionne celle-là. Même problème. Ou alors, c'est parce que je vois que notre maximum de consommation quand t'es au réseau total est de 985, or notre production totale, notre production maximale ne peut pas excéder les 600. Donc on ne produit plus assez de courant. Ah mais oui, mais c'est ça. Faut que je mette les autres usines, faut que je mette les 8 autres là-bas en marche. C'est ça en fait, voilà, on était juste au con en fait. On a cherché un truc Ils ont réduit la... pas la pression en eau, mais enfin bref, on consomme plus d'eau qu'avant, ou peu importe, parce que maintenant, je ne peux plus les faire tourner en boosté, hein, les centrales, hein, faut le savoir, elles peuvent plus tourner en boosté, monsieur. Mais c'est pour ça. Bah sinon, on n'a plus d'eau. Donc, soit on attend d'avoir des tuyaux plus vénères, parce que, ouais, non, même pas, dans le débit, je suis quasiment au max. Je peux peut-être en faire tourner un. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Get bugged? Ah, c'est get bugged, c'est rigolo. Ouais, ouais, on est d'accord que le tuyau il est pas... Il est très bien dedans. Pas correctement. Il est parfaitement... L'autre aussi. Voilà, parfaitement nickel. Hein. Rien à redire. Non, il faut que j'amène le charbon là-dessus. Donc ils ont non seulement augmenté la consommation de flotte, mais en plus de ça, ils ont réduit la production électrique. Ouais. C'est vache. Ça fait mal. Je suis pas sûr qu'ils aient réduit de la production électrique. Je pense que c'est à cause du débit de flotte hein, qu'on a emmerdé. Ah si, ils l'ont réduit. Peut-être le débit de flotte, ouais. Ah ouais? Ouais, non, peut-être le débit de flotte, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai tourné sans problème les coupes d'avance à crash parce que j'étais raid en eau. J'avais plus de flotte. Je les ai déposés, mais... Les bidons, là, ou je les ai toujours sur moi? Ouais, je les ai toujours sur moi. Bon, est-ce que ça te tente pas on branche les... Attends, à son... Ouais, le charbon, elles sont pas en place avec le charbon, elle là-bas. Après, là pour le test, il y a que ça. Hein. Moi, tu me dis, je te reprends. Alors attends, on va faire le test. En vrai, monsieur. Je vais couper le câble qui nous raccorde au reste de la base, à la B2 et à la B1. Ok. Donc, on aura juste à faire tourner cette base-là. Ok. On est ok. Oui. Donc, maintenant je vais prendre. Actuellement la seule qui nous intéresse. Un potal. Normalement, là, si je raccorde, on devrait avoir de quoi faire tout tourner. On va pas se mentir. Y a rien à faire tourner là, y a quelques normalement. Machines. Arrêt complet. Voyons voir, on va lancer. Ah, le maximum c'est 1136. Oui, mais attends, mais on est encore branché quelque part. On est encore branché quelque part, c'est un truc. Comment ça? Qui doit être sûr? T'as pas du tout nous débrancher, on doit encore être branché sur quelqu'un.
Mais mec, j'ai qu'un seul câble qui nous a. En fait. Voilà. Ah non, non, il y en a deux. Regarde, viens là. J'en ai un deuxième là, j'en voyais un deuxième là. Où par là là. Attends, c'est attends, pas bon là. Je veux le voir. Attends, je veux le voir. Y'a pas un câble ici? Y'avait pas un câble? J'ai vu un câble. Bah oui, c'est le câble que j'ai cut, justement. C'est le câble que j'ai coupé. Ah, tu viens de le couper? Moi ouais, je le voyais là. Ouais, ouais. Non, non normalement, enfin, on a pas mal de machinerie ici en vrai. Mais normalement, ça devrait faire tourner quoi. Parce que je sais que c'est raccordé aux mines là-bas. On va faire un calcul, on va faire un calcul simple. Ah, attends, 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 parce que moi je me connais avec mes réseaux. Non, 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 mais attends, cherche pas, je me connais avec mes réseaux. J'ai tout câblé en triangulaire, tout est en continu. C'est bon, là ça devrait tourner. Comment ça? T'avais un autre endroit qui était branché, surtout. Ouais, 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 c'est... En fait, j'avais un... non, mais... Enfin, c'est une autre histoire, si tu veux. En fait, c'est moi, ça, c'est moi et mes réseaux triangulaires. En fait, on alimente aussi, tu te rappelles, la mine de soufre qui est un peu plus loin et les mines de cristaux. Ouais, et comme tout est branché, ouais, et ça va aussi à la base. Bah c'est ça en fait, c'est que j'ai rebranché de la base jusqu'à la base aussi. Donc on a, en fait, on a un réseau en triangle. Donc là, normalement, ça tourne. Ça marche, monsieur. Ça marche. Ça marche, par contre, on fait rien tourner. Hein. C'est un scandale. Mec, c'est un scandale, y'a rien qui tourne, là. Après, je sais pas si c'est... C'est vraiment le max 600, là. Attends, genre, attends, on peut attends, pas sortir attends, plus. Attends, avant... Genre, c'est une honte. Avant, chacune de nos stations produisait 200 et quelques mégawatts. Là, chacune de nos stations n'en font que 75. En fait, c'est un peu. C'est pour ça aussi la merde. C'est qu'on a perdu presque 2/3 de la puissance. Alors, je peux te remettre du jus dans une machine. Voilà. Donc là, je viens d'augmenter sa production. Eh vas-y, je vais aller surveiller le réservoir. Hein. S'il y a que ça. Moi, je pense qu'on peut, sans aucun risque, mettre deux machines sur chaque pompe à fond. Donc déjà, je vais pas me gêner, je vais le faire. Je vais mettre à chaque fois l'extrême gauche et l'extrême droite. On adore le juste au milieu. Est-ce qu'on peut pousser la pompe, en vrai? La pompe est boostée. Bah non, mais ça ne change rien, parce que j'ai regardé, le problème, c'est même pas la pompe. En fait, quand j'ai eu ma crise, j'ai regardé que le problème, c'était pas la pompe, c'est le débit du tuyau. On dévide plus assez, c'est-à-dire que 300 mètres cubes par minute, c'est plus suffisant pour refroidir les générateurs à bon char. C'est-à-dire qu'il nous faut des tuyaux plus gros. Tu sais qu'il existe des tuyaux renforcés dans le jeu. Bah, il nous faut des tuyaux plus gros. Il nous faut le tuyau du dessus. Donc, ça, c'est un problème. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir en fait que ça. Ouais, le problème, c'est qu'on est qu'à 753 mégawatts et qu'il en faut encore plus. Et oui. Ouais, mais... Et oui, oui, mon petit bonhomme. Mais c'est bien sûr. En vrai, pour l'instant, ça le fait. Hein. Pour l'instant, ça le fait. Après, il y a des trucs qui sont en trop, genre. Ça, c'est en trop, c'est pas censé exister. Ça non plus. Voilà. Donc, je viens d'enlever les deux trucs qui doivent pas exister, normalement. Et de l'autre côté, tu m'as dit que tu consommais du combien? Du 1006, c'est ça, en consommation max? Ouais. Et là, on est à 460. De base, pas tout tourné, hein. Moi, de ma mémoire. À la base, quoi, excuse-moi? De mémoire, on faisait pas tout tourner, hein, de base, hein, aussi. Hein. Oui, mais là, forcément, vu qu'on va tout relancer, tout va se relancer. Donc, il faut qu'on atteigne la capacité max. C'est-à-dire que là, on est à 477 solo. Là-bas, t'es à 1006, c'est-à-dire qu'il faut sortir du 2000 MW. On est d'accord que je vais peut-être brancher le reste de la production de charbon. Je sais pas ton avis, je pense que... Hein. Et en sachant que je vais la doubler, que ce sera insuffisant. Ok. On est ok sur le fait que ce sera insuffisant. Là, les pompes à eau, là-bas, ça tourne. On est à 281 sur les pompes. Hein. 281 sur la pompe de droite, on a 281 dans le tuyau. Je regarde un paraflux à devant la... Ah, en pression dedans. Là, on est à 260 là. Ouais, dans le tuyau. 260 dans celle-là. Ouais, mais le tuyau est toujours plein. C'est ça le truc. Après, si tu veux, je peux alimenter... 280... Vas-y, j'alimente une deuxième machine, on va 298. Non, c'est à 298 pour celle-là. Hein. Dans le tuyau.
Ouais, mais c'est avec interruption, c'est-à-dire qu'elle se remplit et après elle se coupe. Et elle est pas en train de tourner en permanence. Oui. C'est pas en continu. De toute façon, on entend les pompes à eau qui s'arrêtent. Donc tant qu'elle s'arrête, c'est que c'est qu'on a on est large. Donc là pareil, on monte à 290 mètres cubes, paf, on a la pression max. Ah, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a atteint la capacité max. Même pas, ça a tombé. Ça repart. Non, ici ça tourne. Ici ça tourne, la machine elle tourne. Ah, tu vois, tiens, à la mienne elle s'est arrêtée. En fait. Ici on est à 197, 190. Ouais, elle s'arrête un peu de temps en temps, mais globalement elle tourne là, globalement au max. En sachant que le charbon, je te rappelle, ne brûle pas. Brûle très peu parce qu'en fait il y a très peu à alimenter. Mais du coup, le charbon, oui, c'est devenu de la merde. Ah ouais. Parce qu'elle consomme la moitié. Ou alors, moitié, faut obligatoirement investir. Elle consomme la moitié de ce qu'elle produit juste pour s'auto-alimenter. Ah ouais? Bah oui, regarde, là on consomme du 400, non, bah, du 300. Non, 300. Qui est... non, l'élastique qui est reparti. Ah oui, c'est vrai qu'on fait tourner le reste de la prod. Ok, ouais. Yes. On fait tourner l'acier. Ok, ok. Ouais, c'est vrai. Ce qui est une bonne chose. C'est quoi la flashlight déjà? C'est quoi la lampe torche? Le bouton? Je sais pas. B? Ouais, B, passe. Ouais, je sais pas. En vrai, un truc qui est vachement cool, c'est l'eau. La vitre avec l'eau en dessous. Je pense qu'une chose que je peux faire là, c'est commencer à arrêter ça. Ça pareil, pardon. On va le redesigner. Pas le temps de la lutte. Pas de soucis. YouTube adore t'entendre éternuer. Leur passion. Donc, Ils admirent tes éternuements. Bon, c'est incroyable. Tac. Tac. Ok, tout ça, ça dégage. Touk. Est-ce qu'il me reste des tijas ou des trucs ou des machins pour bosser? Bon, même pas sûr. Si, ça va, j'ai toujours du stuff pour bosser. Va bien. Vraiment, tu t'as fait des tyroliennes ou pas du tout? Non, pour l'instant c'est pas le cas. Vas-y, attends, j'en fais deux. Ouais, je crois que j'ai de quoi en faire deux. Non mais attends, j'ai un pistolet sur moi de filet. Et moi m'en fais pas, hein. Moi je m'en cogne. Tiens, je te file un taser. Prends le taser avant de construire un truc. Ouais, j'arrive. Il est par terre, hein. Repousse Xeno juste derrière toi. Voilà. Tiens. Non mais j'en veux pas de ta tyrolienne de merde, je te l'ai dit. Trop tard, elle est construite. J'en veux pas de ta merde. Rien à foutre. Personne ne veut de ta merdouille. Ah oui, alors oui, il faut que je fasse... oui, on adore ça. Alors ça tu vas adorer, hein. C'est... des monticules. Il me faut des placasses et des tubas là. Parce qu'il faut comme je fais comme pour l'autre machine là-bas, je vais faire des... Quel tube? Quelle plaque? En acier, évidemment. Parce que tu connais des tubes toi en fer? Acier, merci. Il faut de l'acier ou rien. Acier, tiens. Acier. Non, acier, j'avais pas de tube, y'en a plus. Bah va chercher des tubes là. Ça tourne là. YouTube, ça tourne. Non, les gars. Tac, les tubes c'est par ici. Là-dedans on envoie de la placasse. On envoie de la tubasse là-dedans. On produit nos tubes. Genre c'est la misère du tube. Yo, je suis tombé. Qu'est-ce qui produit du tube? C'est toi qui produis du tube. Tu produis juste pas de tube assez vite. Il y a la queue derrière mon filet. On va être obligé de mettre en pause les bombes, hein, je crois. Ok. J'ai mis les bombes en pause.
Ah, c'est vrai que la technique c'est de faire ça. Comme ça, ça se remplit. Quoi, est-ce que vous êtes à l'étage? Ouais, allez, je suis en train d'attendre des tubes. Quelle passion. Tuba Simulator. In my tubas. C'est trop bien la tyrolienne. C'est débile. Je me doute. T'es sûr que tu veux pas essayer? Ouais, certain. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment une tête à faire des choses stupides? Oui. Bon, ça marche pas très bien sur les murs, hein, je vais pas te mentir. Mais leur truc est vachement bien branlé en vrai. C'est fait. Bon alors. Tu vois là, on a même plus besoin de faire de système. Faut que je divise ça en deux. Aïe. On a même plus besoin de faire de système de tubes, on a juste besoin de faire des systèmes de câbles. Il va falloir que je découpe ces murs là. Ça va être un peu chiant ça, je reconnais ça. Ça m'emmerde un peu ça, non? J'en ai bien l'impression. J'en ai bien l'impression. On sent sur combien d'étages là normalement? Sur 1, 2, 3, 72, 4, chef. Sur 4 étages? Mais non. Ah, j'ai découpé jusqu'en haut à chaque fois. Ah, moi je suis bâtisseur de l'extrême en fait. Je me le suis pas dit, mais. Mais c'est ce que je suis, quoi. C'est ma véritable nature. Elle est révélée. Par contre, je crois que c'est qu'un simple convoyeur à chaque fois. Convoyeur standard. Ok. Ah oui, mais ici je vais avoir un problème. On va dire que je vais démolir tout ce que j'ai construit jusqu'à présent. On en a rien à cirer. Ouais, on fait ça, hein, comme d'hab. Tac, 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 tac. Voilà. Ah, non, je comprends que j'enlève un truc. Le reste, on verra. Putain, mais en fait, c'est la période des mises à jour, j'y pense. Genre, eux, ils sortent une putain de mise à jour. Ah ouais, là, Pulsar, ils sortent la nouvelle faction. Il manque que Raft. Raft, ils doivent sortir un DLC, non, de ce que j'ai vu. Bah, je sais pas, moi, Raft, ça fait tellement longtemps que personne ne joue avec moi que je crois que même les gens sur YouTube, ils ont oublié l'existence de Raft. Ah bah viens, on y retourne après, hein, si tu veux. Tac. Into. Que fais-tu du coup? Les accès. Into, tac. Ah. Ah quoi qu'attends, je suis en train de faire ça. Je vais avoir lui qui va sortir là, c'est pas pratique. Allez, et montre-moi ça. Dégage. Tu vois bien que tu me gênes là, non? C'est quoi? Je laisse juste une terrasse en fait. Je suis pas emmerdé. Une terrasse, c'est bien. Une terrasse, on adore. Ok. Ah, je peux pas remonter. Si je calais mes murs. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire sortir là? Ça, le charbon, placé. C'est ça? Du bon char comme sur l'autre structure d'à côté. Ok. Non, c'est pas ça. Je veux que tu sois aligné par rapport à ce mur, à ce trouillou. Do you want to align you in the trouillou? With the trouillou? Eh, tu veux mettre du MK3 en logistique? Ah, j'ai plus de tubas. MK3, ouais, tu veux mettre en face? Je vais sortir du MK3 pour l'instant, ouais. Non mais cherche pas. Je vais me chercher du tubas. J'ai pas de tubas, je peux pas bosser. Vas-y, je vais voir si y en a. Voilà, en vrai, attends, non, tu veux pas me brancher un câble vite fait là? Un câble en bas. De quoi? Électrique. Prends les SK. Un câble électrique nul. Non mais on mettra des tubes. Fais pas chier. On mettra des tubes plus tard. Pour l'instant, go alimentation. Sinon, on peut rien faire tourner, on peut rien faire en fait. De tubes, juste de mettre un câble électrique. M'en fous. Fais ton truc là. Et en plus c'est super chiant à faire, tu te rends pas compte. Y a pas de tub de stocker. Si si, dans la machine je l'ai mis à zéro. La machine qui est au bout, suis le tapis, va au bout, il y a une machine au bout là avec de la poudre à canon là. Direction ah ouais, nord. Ok, il y en a 80 dedans. Voilà, vas-y.
Je les prends. Envoie tonton. Yes, parfait. Allez, go, on enchaîne. Disait Cool Chain. C'est Cool Chain qui disait ça, t'étais pas au courant. Par contre, va y avoir un petit problème. Un petit problème de De hauteur. Parce que là, le troisième. Le troisième, il va être un poil trop bas par rapport au prochain conteneur qui va arriver. Non? Normalement, ça roule. Ou ça passe juste. Normalement, ça roule. Ok. Parce que là, je suis en haut, tu sais, je regarde et. Ah, attends, tu le pousses. Hop, le 3 direct. En vrai, c'est quand même bien que les tapis soient pas alimentés en électricité. C'est la vie même, tu voulais dire, je crois. Alors, on va devoir faire du séparatisme primaire. Ce qui nous déplaît pas en soi. Mais là, on veut quelque chose d'un peu stylé design, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, je crois qu'il faut que je le décale un peu. Non. Je sais plus, il faut que je le décale ou pas. Que ça fasse un truc pas trop sale. Je sais plus. Mets-toi comme ça, en attendant. Et toi, je vais te placer comme ça. Et comme ça. Dans le doute, on va en replacer un. Comme ça. Comme ça. Voilà. On verra bien. Ok, c'est parti. On va monter un premier truc. Deuxième. C'est une MK combien qu'on a de fourreuse? C'est juste une fourreuse MK1? Ah non, c'est une MK2, ok. Alors ici, il faudrait que je fasse ma scission, si je dis pas de bêtises. Tac tac tac. Le répartiteur nous avait demandé Zerator. Ouais, mais attends. Séparateur, pourquoi? TKT pour monter à l'étage ou pour alimenter la deuxième? Laisse-moi juste finir de penser mon truc, s'il te plaît. Hein. Mon cerveau, il est en train de cramer là. Get cramed, tu vois. Oh, j'ai plus de placasse. Est-ce que t'as des placasses qui traînent quelque part? Ouais, sur moi, tiens. Nice. Merci. J'en avais ramassé 300 et quelques sur ce qui restait. Ok, là jusqu'ici, ça bouge, ça zouk, ça marche. La créature est en vie. D'accord, excellent. Parce que du coup, projet. Faut que tu fasses un autre. Et ensuite, il faut que je fasse un autre répartiteur. Attends, mais. Avec 10 Zerator. Un peu et du plus coup, devant. Il faut que je mette. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il nous faut un répartiteur de convoyeur. On va se le mettre plus par là, histoire de l'avoir un peu moins mieux. Oh, je le mets vraiment bien au milieu comme un gros sac. Parfait. J'adore être un gros sac. En vrai, on s'en fout. Mais si, c'est vachement important de pas être tout le temps un gros sac, mais. Mais pas là. Moi, je le mettrai ici, le prochain truc. Moi, j'ai envie par de là. J'ai envie de faire des craquants. Tac tac, il est là. Faudrait que moi, je le mette au là. Milieu, mais ouais, on va le mettre là. Et normalement, tu ça peux comme faire ça, un virage avec. Parce que on va tenter de l'obscurantisme complet, bien sûr. Voilà, et là, j'aimerais voir s'il prend l'intersection. Ouais! Et là, normalement. Non, non, un joli c'est canard. Une très mauvaise idée. Attends, avant de me dire que c'est une très mauvaise idée. Ça se trouve que c'est le coup de génie du siècle, tu sais même pas. Et là, paf. Non, parce que là, t'es juste en train de supprimer l'approvisionnement aux deux autres. Hein? Mais non. Ouais, regarde, si tu prends ici, d'accord? Ici.
Ah oui, je alimente sur, les deux de gauche par rapport à celui, ouais. Ouais. Non, tu sous-alimentes celui de droite en fait. Oui, 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 donc je suralimente celui de gauche. Aussi. Également. C'est pour ça en fait que je disais que c'était une mauvaise idée. Ok, ok. Non, mais pas de soucis. J'ai entendu votre réclamation, monsieur. Elle a été prise en note. La direction est actuellement en train d'intervenir pour régler tous les problèmes. Nous vous tiendrons bien entendu au courant des avancées. Sachant que notre nationalité est française et que notre administration est française, voyez une réponse dans les 20 ans à venir. Ouais, si vous êtes chanceux. Et évidemment, vu que c'est administration française, si vous n'avez pas de réponse, considérez que c'est un non. Évidemment, vive la France. Je l'oublie trop souvent, mais vive la France. Maintenant, j'ai besoin de savoir si j'ai pilé la mine de gauche. Genre, je l'ai bourré en pilasse. Non, même pas, elle tourne en base. Hein. Le KLM, elle tourne en base. Et il faudra me dire si les réserves de charbon se vident ou pas. On est comment dans le char? Attends, je vais te dire ça. Le bon char, ça a l'air d'aller là-dedans. Ah si, là-haut, ça se vide assez un peu. Hein. Je sais pas, ça se vide vraiment ou pas? Non, c'est justement au contraire, c'est en train de se remplir. Celle de gauche, okay. Va falloir qu'on attende un peu pour voir si ça marche comme ça ou pas. Ok, ok, donc nous là pour l'instant on est en train de surbourrer. Attends, celle-là a fait du combien? A fait du 240 des petits. Ouais. Maintenant, c'est pas tout d'avoir dépoté tout cela. Il va falloir s'intéresser à emmener tout ça avec nous. Pour ça, quoi de mieux qu'un petit Esca? Genre. Oui, c'est quoi déjà la touche? Ouais, c'est. Non, c'est. Ah, pour en avoir plusieurs en même temps. Démonter en masse, maintenez left clic gauche. Ah ouais? On relance tout ça. Oh! T'as fait un ping? Mais par accident. Mais non, mais c'est contrôle. Pas alt, putain, je veux. Ouh! La drogue, c'est mal, les enfants. Oh! Mais c'est trop bien le système. Oui. Bravo. C'est trop bien le système de ping maintenant, en vrai. On est trop fiers de ça. Ils l'ont changé avant, c'était un truc un peu nul. Qu'est-ce que tu fais? Je bétonne. Ma passion. Rappelle que je joue à ce jeu juste pour bétonner. Hein. Le reste, R, A, F. Maintenant. Est-ce qu'on garde ça comme ça ou on adoucit hein. On adoucit la côte. Ah ouais, franchement, moi je suis pour. En plus, il y a une caisse qui dépasse, c'est dégueulasse. Comme bon. J'ai plus de béton. Alors là c'est la crise. Là, j'ai plus de béton, je suis épris de tremblement. Tiens. Je suis ton sauveur. T'es où? Viens. Je suis Al, mec. Merci. Ah, la civilisation. Ah, plus de civilisation. Oh. Non. C'est bon. J'en ai encore plein en réserve. Oh, c'est excellent ça, j'aime quand tu me dis des mots doux comme ça, tu sais me parler. Hein. C'était pas censé être du vert au niveau de la flotte? Là c'est pour poser des trucs moches donc ça va aller. Puis en fait j'ai besoin de faire des rampasses dégueulasses donc tu vas voir, ça suffira très bien pour ce que c'est. Voilà. Donc maintenant. Si l'on peut un pneu. Je vais essayer de faire ça comme ça. Est-ce qu'il serait pas temps de s'intéresser aussi au développement de la technologie nucléaire, monsieur? Alors, étant donné qu'on est même pas encore au pétrole, je suis pas sûr. En vrai, je suis pas trop sûr. De commencer à chercher une... Non, ou de chercher une solution pour fonctionner au pétrole. Tu vois, se dépêcher de faire le pétrole. Bah je suis d'accord, t'as juste à remplir l'arbre à cam de machin. Alors tiens d'ailleurs j'ai 50 moteurs si tu les veux. Pour aller remplir le truc. Et j'ai même tous les tubas en cuivrasse là. J'ai les masses tubas en cuivrasse. Les plaques de cuivre, ah ouais. Les tolas en cuivrasse, tiens les 50 moteurs et voilà on est déjà bien. J'ai rien d'autre à te filer. Ok. J'ai les 100 béton armé et il me faut les 500 tuyaux du coup. Hein. C'est tout ce qu'il les... faut. Ouais, les 500 tuyaux qui sont actuellement en production. D'ailleurs, moi je t'ai filé, j'ai pris tous les tuyaux dont j'avais besoin, donc si tu veux, je peux te donner le reste. Hein. Garde-les, on sait jamais. Ouais, mais bon, à mon avis, tu vas pouvoir ôter un moment le temps que ça l'efface. Hein. Non, mais je vais fabriquer à la main.
Ah, dans ces cas, je te rappelle qu'il va falloir que tu fabriques les lingots aussi parce qu'on consomme peut-être un petit peu trop de lingots, mais bon. Non, tranquille. Oula. Quand un mec il me dit non, tranquille, c'est que ça craint. C'est que c'est la merde. What? Allez, c'est parti. Oh, mais je vais me surgalère. Non, en vrai, je pense que la tyrolienne aurait... Qu'est-ce que t'as fait? Je vais me surgalère. Pourquoi? En fait, la construction est vachement, comment dire, retrecie. Au niveau de... Ah, t'as pas de place? Ouais, il va falloir que j'enlarge ma construction. Il est très même probable que je sois obligé de faire sauter le réservoir. Le réservoir demain. Oh, ça par contre, c'est bien, ils y ont pensé. Ah, oh, ça, quel plaisir. Oh. De quoi? Tu sais, quand tu poses tes placasses là en vert transparent, ça te fait plus un truc gris, ça te la monte bien en surbrillance, comme ça tu sais dans quel sens t'as posé ta poutre. Alors pour les mecs qui sont à cheval sur les strictrixmes, oh, ça fait très très plaisir. Donc inutile de te dire que ça me fait très très plaisir. Ouais, je me doute. Oh. Ça, c'est très agréable. Nous sommes un tout petit peu moins dans la merde. Mais on y est quand même. On y est quand même. Ah ouais, et pour pas y être, il faudrait que je fasse un truc. Genre une modification. Je vais être obligé de virer un conteneur en fait. Voilà. Je vais être obligé de virer un conteneur. Et je vais être obligé d'intercaler ce genre de truc quoi. Ça, je vais pouvoir passer dessous ou au-dessus ou à travers, mais je vais pouvoir faire un truc. Voilà. Et par contre, on n'a plus de réservoir. Ou alors, feinte moldave, j'ai essayé de caler un réservoir là. C'était très moldave ça comme feinte. À mon avis, on va pas faire. À mon avis, ça va pas passer. Heureusement que je suis un génie de la construction, mais je me demande à quel point ça va tenir, là, mon génie de la construction. Là. Je pense que mon génie de la construction, il a des limitants. On se dépatouille pas trop mal. Pour l'instant, ça tient. On sait pas trop comment, mais figure-toi, ça tient. On va pilonner comme ça, hein. Serrer ça un peu plus, ouais. Ouais, on va pilonner plus comme ça. Tac. Ok, on pilonne comme ça. C'est ok. Faut vraiment qu'on refasse une installation propre d'acier. Mais très bien, notre production d'acier, je vois pas ce que tu lui reproches. Ou alors que quelqu'un arrête de faire des boum boum. Des quoi? On ne peut pas arrêter ce que tu viens de dire. Ce n'est pas possible, monsieur. Rends-toi compte de ce que tu parles de la liberté des États-Unis de la Amérique. On ne peut pas arrêter cela. Du nouvel espace. Nouvel espace. Je suis en rate de plaque. En vrai, est-ce que cette planète est ronde et entièrement générée, ou est-ce qu'il y a un moment où on s'arrête et il y a un mur? Il y a des murs invisibles. Enfin, il y a des vides intersidéraux. Ok. Moi, je sais pas à quel point, mais il y a des vides, ça c'est certain. Parce que quand tu commences sur la...
sur la carte désert. Donc, d'ailleurs, on n'est pas très loin et je sais où se situe le pétrole, ne l'oublions jamais, et tous les charbons qui vont bien. Parce que finalement, c'est la map que je connais le mieux. Et ben, tu commences, t'es pas très loin du vide de la fin intersidérale. Voilà. Ok. Donc, je demande parce que genre. Alors, si jamais tu repasses dans le coin, je veux bien que tu ramènes quelques tiges et quelques plaques MK, le truc de base. Hein. Parce que je sais que t'es pas à côté. J'ai pas de ça sur moi. Ah, je sais pas si t'as ça sur toi. Je suis à côté. Hein. Ah, t'es à côté là. Ah ouais. Je suis en train d'attendre. J'ai sur moi, j'ai 206 tubes de métal que je viens de faire à la main. Ok, je suis en train d'alimenter la première machine. Il se passe des choses. On appelle ça l'obscurantisme. Ok. Tu devrais la brancher sur le réseau, c'est pour qu'elle produise. Mais c'est branché, le réseau l'alimente aussi. C'est branché, monsieur, normalement. On est passé à 982, ouais, c'est ça. Parce que je te rappelle que les. Il y a un poteau qui raccorde tout entre les. Entre nos machineries là. Allez, attends, tu me ramènes ce qu'il faut, je vais poser des barrières. N'hésite pas à ramener ce dont j'ai besoin. Nul de base. Ouais, juste des tubes. Juste de base. Question. Des tiges. Pour, est-ce qu'on a une ligne électrique? Non, mais tiges et plaques tige. De base. Tiges et plaques de base. Renforcées? Non, tiges et plaques de base. Tiges. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a une ligne électrique qui va jusqu'à la maison ou pas? Elle est coupée actuellement. Ouais, et mais elle est à côté. Elle est là. Ouais, vas-y, je la prends. Allez. Comment ça? Ça s'appelle. Ah oui, oui, prendre. Ouais, câblage, ouais, tout ça, ouais, y a. De l'œil et ça. Bon, bah, moi en attendant, je vais essayer de poser le max de plaques que je peux poser. Je vais voir à quelle vitesse ça va, si ça va plus vite qu'aller à pied. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être de la merde parce que nos poteaux sont mis et ça passe en plein milieu du gaz. Et j'ai pas de PV. Ah, et à partir de là, faudrait faire la décalade. D'accord, donc à partir d'ici, c'est la décalade. C'est bugué. C'est bugué avec le cul. Hein. Ton problème, ça. Pourquoi je fais ça? Il me suffit d'appuyer sur 3 et de réfléchir. Ah, mal placé ça. Ah, attends, vraie question. Est-ce que ça veut pas dire que l'araignée elle respawn aussi? Je répondrai pas à cette question. Antonin. Tu flippes, Antonin là? Surtout que j'ai pas. Surtout qu'en fait, comme j'ai remis mon PC à zéro, j'ai pas le mode anti-non-araignée d'activer. C'est quoi? C'est juste un animal, tu sais, qui a besoin d'amour, comme tout le monde. Sauf moi. Ouais, ouais, bah, nique sa mère l'amour. Donne-moi la TNT, je vais lui faire sa race. On en est à un tel niveau de haine, quoi. Je sens que ça va être ultra dégueu. Mais bon, faudra faire comme ça. Alors, sache que la glissade sur son toboggan de la mort, aka la rampe qui va aux mines de fer, c'est plus rapide que la tyroline. La rampe, qui rampe? T'as une rampe derrière la B3? Ouais, le long du tapis. Ouais, bien sûr, je sais. En fait, le truc, c'est que si tu fais que glisser tout le long, tu vas plus vite que la tyroline. Je pense que là il faut que je continue encore, hein, c'est ça. Ah, on est à moitié à travers le tube, hein. C'est pas esthétique, hein, mais bon, tant pis, hein. Ça m'arrange comme ça. Qu'est-ce que. Donc là c'est 1, 2, 3, 4. Ok, la tyrolienne c'est de la merde. Ah, bah attends, ouais, c'est ça, j'en ai bien 8, ok, je vais péter un peu. 1, 2, 3, 4, donc les 4 premiers, ça c'est ok. J'aime bien les 4 premiers. Et à partir de là, c'est eux. À partir de là, c'est toi.
Donc, tu peux te raccorder ici et je peux déjà alimenter deux machines en bon char. Voilà. Très joli. Donc on est seulement à 1057 mégawatts par heure. Par contre, ce que je peux faire, c'est déjà booster celle-là. Comme j'ai fait avec les autres. Ah oui, on n'a pas checké les pompes pour voir ça continuer à tenir le débit. Si, ça si on n'a pas eu d'emmerde, je pense que ça devrait le faire. Hein. Donc, je regarde l'état du réservoir de la pompe elle-même. Elle est à donf, il n'y a pas d'embrouille. Elle arrive même encore à se couper, il n'y a pas d'embrouille. Ok. Ouais. Et celle-ci, elle vient de se rallumer. Elle tourne toute seule, il n'y a pas d'embrouille nulle part. On peut tourner sans problème avec deux machines à fond. Donc, ça va. Ça peut se faire. Sur 4. Sur 4, ouais. Sur 8. Sur 8. Non, attends, j'en ai mis quoi? Ah, ah. Non, j'en ai mis 2 par contre. Non, t'as raison, j'en ai bien mis 2. J'en ai mis 2 à fond sur chaque pompe, ouais, t'as raison. De chaque côté, ouais, donc 2 sur 4. Ouais, ouais, 2 sur 4, c'est ça. Non, c'est bien ce que tu disais. Okay. On est bien. Je voulais juste vérifier. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, ça tient comme ça pour l'instant, sans trop de problème. We got the oil! GG. On a la pièce obtenue. On a des valves maintenant pour limiter le débit des pipelines. Yes, sauf qu'on sait toujours pas traduire en français, on dit pas une valve, mais on dit bien une vanne en fait, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi tout le monde fait cet anglicisme, je comprends pas. On a toujours eu le mot en France. De quoi? Bah, le site traduit, enfin le jeu traduit valve de l'anglais par valve. C'est une vanne en français. Comme la ville en Bretagne. Si. Non. Si, si. Ah si, tu peux aller chercher une vanne sur... une vanne, ça sert à ouvrir et fermer. Oui, mais là, en ça français, sert à on dit bien une électro-vanne. C'est pas forcément une électro-valve. C'est pas utile. Oui, mais là, ça sert à limiter le débit, pas à l'arrêter. Mais c'est pareil, ça ne change rien, mec. En plomberie, une vanne, ça sert à contrôler et fermer le débit. Ça vient de la plomberie, hein. Ça vient de la plomberie, de la marine, tout ça, tout ça. Hein. C'est une vanne, c'est pas une valve. Je comprends pas pourquoi on fait cette faute. Pourquoi on fait cet anglicisme nul? Parce que tu me dirais, ouais, on fait cet anglicisme parce que le mot est trop long en français, ou trop complexe, ou parce qu'on l'a pas, machin, ni rien. Mais on l'a. On l'a depuis très longtemps, ce mot-là. Je comprends pas. Ça m'échappe. Y a une logique qui me manque. Je pourrais, ceci dit, là, plutôt que de me glander, essayer de brancher tout le monde. D'ailleurs, est-ce que je ferais pas mieux... de garder ça ouvert, même toi d'ailleurs, parce que je ferais pas mieux de vous garder ouvert tous les deux, et d'en profiter pour poser un simple placo. Et elles sont comment mes tiges? Elles sont dans quel sens? Dans ce sens là, ok. Voilà. Bon, ça suffit, on va mettre des barrières. Non, c'est pas les mêmes trucs. On va garder ça comme ça. Oui, ça, du coup, on peut pas trop. Donc, je vais mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Voilà qui est fait. C'est très joli, c'est très esthétique, on adore. Super. On plus soit, on pousse bleu. Hop. Ah oui, mais j'ai plus de plaques, vraiment. La vie est un drame. Attends, je dois avoir un peu, vu que les mines elles tournent là, je dois avoir un peu de minerai de fer qui traîne quelque part. Dans une réserve obscure. Je suis sûr qu'il y a moyen que je gratte quelques plaques le temps que t'arrives. Ah mais non, ça tourne pas du tout. Ça tourne juste pas du tout parce qu'on n'est pas raccordé au réseau général. Oyo. Mais on est dans le mal là. Maintenant on est dans le mal, je crois. Je pique ça. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Bah on va bientôt plus avoir de lingots de fer, donc on pourra bientôt plus produire d'acier, enfin plus de minerais de fer, parce que du coup on a tout coupé. Et on va être dedans assez rapidement avec des grosses dèches bien sèches. Du lingot de fer, c'est parti.
la production. À chaque fois qu'ils font une mise à jour ou une update, c'est vraiment toujours la vraie guerre. Bon, je veux bien qu'avant le charbon c'était craqué, le charbon c'était tellement craqué que ça valait pas le coup de tourner au pétrole. Je pense que ça va être l'inverse maintenant. Ouais, bah je pense aussi. Hein. Après, le pétrole était très intéressant pour tous les produits dérivés qui t'offraient, on va dire. Est nécessaire pour continuer à augmenter, évidemment. Mais par exemple, le nucléaire était inutile. Hein. Moi, sur ma game, sur mon autre game, je tourne sans pétrole. Hein. OSEF, hein, ça n'existe pas le pétrole, je connais pas. Ah ouais, je pense que là maintenant, t'es baisé. Non, toujours pas. Toujours pas, parce qu'en fait, sur ma game solo, j'ai 3 fois ma production moyenne. Donc tu vois, même si mon divisé le charbon par 2, ça tourne. Faut juste que j'aille augmenter mes tuyaux pour qu'ils aient un meilleur débit. En flotte, et c'est tout. C'est tout. Le reste tournera sans problème. Alors, on va faire un peu de placasse, et après, le reste partira en tige. Mais ta mère, la pub. Pardon. Tu t'es en train d'ennuyer l'ordi. Et les vannes en français à la base c'était vraiment juste pour ouvrir et fermer. Oui, mais tu parles de l'origine de l'invention, valves... donc oui, ça fait un moment. Hein. Oui, non, je parle, oui, et les valves c'était vraiment pour contrôler le flux en fait. Et le flux, oui, mais et il y a eu de la merde entre les deux langues comme d'hab. Ben, c'est ça, mais c'est exactement le même. C'est juste, je veux dire, on a amélioré une technologie qui existait. Je veux dire, c'est comme si tu me disais, oh, on a fait... Et on a changé son nom. Je veux dire, on a fait des évolutions sur la... On a bien fait des évos sur... Sur même la petite cuillère, hein, si tu veux. Hein. La petite cuillère, elle a changé de forme par rapport à l'origine. Pourtant, on appelle pas il ça la petite cuillère. Il faut combien de plaques de fer classique pas des tonnes non plus, mais je veux dire, ramène-moi un petit stack, et puis pareil en... En tige. Ah, mais au fait, on fait plus de tuyaux. On fait plus de petites tiges. Si, si, on en fait encore. Je suis. T'es sûr de toi? Pourquoi il y a veillé? Ah, ouais, ok, là-bas. Ok, c'est bon. Ah, il y a tout. On produit tout. T'en faut beaucoup aussi ou pas? Un stack également. Et on sera bien. Ouais, vas-y, j'en ai pris 2. Ouais, prends-en 2. C'est bien. C'est ok. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on commence à prospecter du pétrole aussi? Je sais où il est. Ah, donc, il est 15h43 aussi. Ah, c'est problématique ça là. C'est problématique ça madame. Donc c'est au revoir YouTube, c'est ça? Ouais, ça va pas tarder hein. Je finis un raccord ou deux puis après je me casse. Ouais. Et là il faudrait que je ramène l'un sur l'autre vite fait. Tac. Ou tout tac. Ouais, effectivement, tu fais bien de ramener 2 stacks parce qu'en fait, je suis en train de voir qu'il a fallu que je consomme un peu plus que les étages sont vachement élevés. Voilà, par contre, c'est classe. C'est vraiment. Voilà, on sent vraiment qu'on est passé de l'expérimentation initiale à la maîtrise totale de notre sujet. Quand je vais tellement pas avoir placasse en acier, je sens que je vais en bouffer. On n'aura jamais assez. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Normalement on est bon. Non, je veux du 3 là. Il y a le 4-3, voilà, merci. Hop. A de là. De là. A de là. De là. A de là. Je regrette terriblement ma décision de passer par ce chemin. Si t'as croisé une araignée. Oh, ça traverse le tuyau, c'est dégueulasse. Les gens me jugent. Oh, je pourrais rehausser les tuyaux en vrai. Je le ferai. On le fera. N'inquiétez pas, ce sera fait. Au secours. Il est en train de se faire violer par une araignée. Est-ce que tu te fais violer? Ça intéresse les gens. Les gens veulent savoir. Antonin, la France a droit de savoir. J'estime qu'ils en font assez pour toi. J'entends des bruits que j'aime pas. Est-ce que tu vois des gens dehors, Antonin? Est-ce que tu vois j'entends une musique de Jojo commencer là. Une
Je sais pas, Jojo Bosque est déjà mort. Ouais, en fait, je ne sais pas encore, mais il y a déjà une araignée. Ouais. Au secours. Allez, on va turbinasser tout ça. En fait, j'ai fait le choix d'essayer de prendre la tyrolienne pour revenir jusqu'à la maison et je le regrette terriblement parce que c'est de la merde. Okay. Par contre, c'est bien pour passer au-dessus du vide. Ça, eh ben ça écoute, par contre, c'est un truc qui est irréparable. Je vais m'arrêter là, je vais s'arrêter là aussi pour YouTube. Hein. Tant pis, t'es pas mort, c'est dommage, c'est ce qu'attendait YouTube. On est à 1435 de production actuellement. On n'atteindra pas les 2000 de prod pour faire tourner la baraque. Ouais. Je pense pas, faudra voir. Ah mais le... Ah oui mais merde, je suis un crétin. Oh yo, on va avoir des problèmes si je fais pas ça. J'ai oublié de piler les nouvelles pompes à eau. Donc elles sont... bah elle était quasiment vide, l'autre elle était à sec quasiment tout le temps. Ah ouais merde. On va pouvoir remplir son réservoir. En vrai elle tenait. Elle tenait difficile. Mais vu que je venais de brancher de 2 ou 3 trucs, ça commençait à devenir compliqué pour elle. Ok. Ok, ça va se remplir tranquillement. J'ai branché les 4 sur elle. Ces 4 sont branchés. 1, 2, 3, 4, ouais les 4 sont branchés. On tourne là-dessus, on peut pas faire tout ça. Et celle-ci aussi elle tourne, mais elle est sur l'autre pompe celle-là. T'es sur quelle pompe? C'est vrai que vous êtes sur tous la même pompe, oui c'est ça la petite particularité. Alors c'est du génissant. Ça c'est vraiment, je sais pas qui est le mec qui a conçu ça, mais pff, c'est un génie. Ah oui c'est vrai que c'est moi. Je suis un génie. Franchement, si je m'aimais pas, je m'aimerais. Bon allez, des bisous YouTube. À la prochaine. Adieu.